Voilà déjà plusieurs années qu'Anne Sophie Lapix est à la présentation du JT de 20h de France 2. Pour rappel, la direction de France Télévisions l'a choisi pour remplacer David Pujada en 2017. Un rôle qui lui tient à cœur. Et pourtant, la journaliste de 52 ans pourrait bientôt céder sa place à son tour. Suite aux informations rapportées par Le Parisien en juin dernier, nos confrères de Public ont mené l'enquête. Il se murmure que l'ex-présentatrice de l'émission 7 à 8, sur TF1, serait sur la sellette. Et pour cause, le JT de 20h de France 2 a enregistré une baisse des audiences ces derniers mois. Ainsi, les dirigeants des chaînes de services publics pourraient la remplacer à la rentrée. Des discussions seraient en cours. Anne Sophie Lapix @Dr Anne Sophie Lapix, sa carrière en péril? Dans les colonnes de la Tribune du Dimanche, en juin dernier, la femme d'Arthur Sadoun avait déjà réagi à ces rumeurs d'éviction. À cette occasion, elle avait évoqué les audiences assez basses du 20h de France 2. En janvier, ça a commencé à être difficile. Je n'ai pas vraiment d'explication, avait-elle confié. Ce, avant d'encenser le travail effectué par ses équipes. Après 7 temps de bons et loyaux services, ses jours à la présentation du JT de 20h pourraient pourtant être comptés. Selon les informations rapportées par Public, la direction de France Télévisions envisagerait sérieusement de la remplacer. Les études sur elle ne sont pas terribles. Il faut qu'on évolue, aurait déclaré une source. Qui pour la remplacer? Il se murmure en interne que Caroline Roux, Maya Loquet ou encore Thomas Soto pourraient reprendre les rênes du JT de 20h de France 2. Cependant, Audrey Crespo-Mara, actuellement aux commandes de 7 à 8 sur TF1, serait le choix idéal. Les dirigeants de France Télévisions seraient même prêts à offrir une case à son époux Thierry Ardisson sur France 3 afin qu'elle accepte leur proposition. Le mercato du PAF s'annonce riche en rebondissements.